Bon les gens, ici on adore tous Brookhaven, mais Brookhaven en manga, qu'est-ce que ça rendrait? Et bah justement les gens, on va le découvrir aujourd'hui lors de cette vidéo. Donc du coup on va aller dans Roblox Studio et justement on va modifier tout ça pour que ça ressemble à un manga Brookhaven. Bien évidemment n'hésite pas à t'abonner sinon ce serpent arrivera dans tes toilettes dès demain et ça pourrait vraiment te poser problème. Ok les gens, du coup nous voici sur la map de Brookhaven, donc du coup c'est très simple, le but ça va être de la rendre en mode animé, manga, tout ça. Donc on va rajouter des Dragon Ball, des Naruto, des One Piece. Donc c'est parti, on va regarder ça et justement je reviens vers vous dès que je trouve des trucs. Déjà les gens, regardez premièrement ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé les maisons justement de Dragon Ball. Donc on va aller les placer, on va aller faire un village là-bas. Je pense ouais, on va aller faire un village. On va aller là-bas et on va essayer de faire un petit village. Alors attendez, vers la gauche peut-être. Ouais, par là c'est parfait. Regardez, on va faire un petit village. Hop là. Regardez, on va faire le petit village de Dragon Ball. C'est nickel. Oh, il est parfaitement bien placé. Vraiment, on y croirait. Hein. Hop là, on va faire ça. On va faire une dernière petite maison. Et franchement, déjà là, on va être plutôt pas mal, n'empêche quand même. Hein. Ok, les gens, normalement, là, j'ai rajouté le fly qui va nous permettre de voler. Donc, du coup, maintenant, j'ai rajouté des transformations. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais on va espérer. Enfin, bref, du coup, maintenant, on va rajouter quelqu'un. Donc, on va rajouter un petit Sangoku. Ok, bah, vous savez quoi? On va le laisser tranquille. On va le mettre vers là, je pense. Ok. Puis, on verra bien s'il veut nous attaquer. Mais j'espère qu'il va nous laisser tranquille parce que franchement j'ai pas envie qu'il m'attaque. Donc on va le laisser devant comme ça ici. Hop là tranquillement. Et je pense qu'il est bien ici. Et vraiment là les gens, je suis en train de rajouter une ville extérieure à Brookhaven. Vraiment on dirait il y a deux villes sur la map. Regardez ça, incroyable. Non vraiment je vous jure c'est incroyable. Là ça fait le petit village. Non c'est stylé. Ok bon là déjà on a fait un peu de Dragon Ball. Donc du coup maintenant c'est bien. On ira voir Dragon Ball tout à l'heure. Maintenant je pense qu'on va rajouter un peu de Naruto. Donc on va aller vers... Est-ce qu'on peut avoir un Rasengan? Oh, on peut avoir un Rasengan les gens. Attendez, je vais me rajouter le Rasengan, vous allez voir. Ok, là j'ai rajouté des trucs, je sais même pas si ça va marcher, ça va être n'importe quoi. Alors attendez, on va rajouter d'autres trucs. On va rajouter un petit emblème Fairy Tail ici, je pense. Voilà, bon il est un peu grand mais ça devrait faire l'affaire. Voilà, allez hop, la guilde, on va la mettre au niveau des appartements. Voilà, c'est n'importe quoi, mais moi ça me plaît. C'est le principal, hop, l'échelle, bon on va le descendre, hein. on va le rétrécir un petit peu. Hop là c'est parfait. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre de One Piece? Déjà là je viens de rajouter des attaques, donc du coup alors attendez, on va rajouter... Oh regardez les gens ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé le Thousand Sunny de One Piece. Alors attendez, le Thousand Sunny, on va aller le déplacer vers le lac là-bas. Il n'y a pas d'eau, alors attendez, c'est pas grave, moi, c'est pas un souci s'il n'y a pas d'eau. On va le placer quand même. Et alors déjà, on va tège tout ça. Hop là, les gens, on a dégagé l'ancien bateau pour mettre celui du Thousand Sunny. Franchement, je le trouve beaucoup plus stylé, le Thousand Sunny. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo t'intéresse. Si la vidéo t'intéresse, c'est que tu aimes la vidéo. Et si tu aimes la vidéo, et bah, il faut liker, mon pote. Allez, lâche un like. Hey, regardez ça, l'eau, elle m'a l'air pas mal, hein. Attendez, on va regarder si ça déborde pas. Non, non, apparemment ça a l'air pas mal, hein. Regardez ça, eh, franchement moi j'aime beaucoup. Regardez l'eau, elle est jolie, elle est plutôt agréable. Non franchement moi j'aime bien, moi je dis on garde. Ok donc ça c'est fait, on a rajouté de l'eau là, donc c'est là où il fallait. Ensuite on a rajouté Dragon Ball, on a rajouté un peu de Fairy Tail, on a rajouté un peu de Naruto. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait manquer de plus. Ok là j'ai eu l'idée du siècle, les gens, on va rajouter des choses de My Hero Academia. Alors par contre qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, ça je sais pas, mais on va bien trouver. Ok là on a rajouté des personnages de My Hero Academia, donc normalement on peut se transformer en eux, j'espère juste que ça va marcher, mais on verra bien. Bon les gens, je pense que j'ai rajouté vraiment énormément de trucs, donc je pense que ça ira. On va aller visiter, on va aller visiter le Thousand Sunny, on va tester tous les trucs, on va tester les objets. C'est parti, je vous retrouve tout de suite. Ok, du coup nous voici dans le jeu. Donc déjà on a le Naruto Run qui est un peu timide. Ouais ouais, il y a le Naruto Run. Bon bah il est un peu timide, mais bon c'est pas grave, au moins on l'a. Ok, donc on peut choisir un perso de My Hero Academia. Personnellement moi j'adore Midoriya, donc du coup on va prendre Midoriya. Oh il est trop stylé, regardez, il est trop bien fait, c'est incroyable. Ensuite du coup on a des items, donc la Random Arrow, donc la flèche bizarre, la flèche hasardeuse de... On va la mettre et on va voir ce que ça fait. Ok. Oh, j'ai qui? Oh, les gens, regardez, j'ai Star Platinum. Regardez. Oh mon dieu, c'est trop stylé. Oh là là, c'est trop stylé, c'est incroyable. Oh, attendez, 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 attendez. Ok. Oh là 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 là. Regardez, je peux même arrêter le temps si je... Avec ce perso, en plus, c'est trop bien parce que je peux arrêter le temps, regardez. Star Platinum. The world. Wow, wow. Oh, regardez, voilà, c'est bon, j'ai arrêté le temps, regardez. Et là, cette fois-ci, je peux bouger pendant... Oh là là, c'est incroyablement trop stylé. Ok, c'est bon, les gens, j'ai réussi à savoir comment aller, donc je sais pas pourquoi il y a un mur invisible. Ok, donc là, il y a les zombies qui arrivent vers moi. Oh là, ça arrive, ça arrive. Oh là, ça arrive. Ok, alors, attendez, parce que là, j'ai plusieurs attaques, donc alors, il y a le... Ok, alors, normalement, ça devrait faire des dégâts. Oui, 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 oui. Wow.
C'est pas grave, je suis encore en vie. Ok, c'est pas grave. Alors attendez, parce que du coup, je peux faire des sauts avec mon stand. Je peux pas fly. Bon bah tant pis. Ok, donc là, vous voyez, comme vous pouvez voir, les ennemis, ils arrivent vers moi. Là, clairement, je me suis fait défoncer. Je me suis fait envoyer à l'autre bout de la map. Mais c'est pas grave, parce que justement, les gens, cette fois-ci, on va faire un truc. On va arrêter le temps. Stop, the world. Hop là, on arrête le temps. Et là, justement, on va aller vers eux. Et regardez. Oh, ça n'était pas très long. Il a pris. Aïe, 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 aïe. Non. Allez, on va les taper. Allez, vous prenez tous cher. Regardez ça, comment les défend. Ok, c'est pas grave. Maintenant, on va essayer de faire le truc, la Starfinger. Ok, déjà, ça fait un de moi. Non. Oh, j'ai eu clairement de la chance. Attendez, hop. Bon, alors, du coup, maintenant, cette fois-ci, j'ai un Kamehameha. Maintenant, on va voir s'il marche, le Kamehameha. Donc, on va tester sur les zombies qui sont juste ici. Donc, alors, attendez, on va les voir. On va aller les voir. Ok. Bon, le Kamehameha, il est pas vraiment ouf. Hein. Le Kamehameha, il marche pas des masses. Hein. Regardez ça. Oh, s'il marche. Oh, il marche, en fait. Faut juste rester longtemps sur le perso. D'accord. Ah ouais. Bon, clairement, un Kamehameha du pauvre. Mais bon, après, hein, c'est... Vraiment, le stand est 10 fois mieux sur ce coup-là. Non, mais regardez ça. Regardez, je le vois. Allez, hop. Dégagé. Ok, là ils sont tous morts, là c'est fini. Bon les gens, alors attendez, du coup on va aller voir les autres trucs qu'on a rajoutés. Parce que là on essaie bien de se battre pendant 30 secondes. Du coup alors attendez, le fly, je sais pas pourquoi il marche pas le fly. Non, le fly il veut vraiment pas marcher, je sais pas pourquoi il marche pas le fly. Bon bah tant pis, écoutez hein, ça marche pas, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Mais c'est pas grave parce qu'au moins la plupart ils marchent. Mais justement je bien attendais que ça marche pas. Donc du coup c'est pour ça les gens, regardez, j'ai pris le nuage magique de Dragon Ball. Donc c'est parti, on va s'envoler. Ok ok ok, alors attends, envole toi. Wouh, ok ok ok, ça marche bien, ça marche bien. Ok, ça marche vraiment bien. Je vois qu'on peut sprinter, d'accord. Ok, bon, déjà pour l'instant, on va aller vers le bateau de One Piece. Donc c'est incroyable. Ok, alors attendez, on va essayer de faire des figures. Regardez. Ah non, on peut pas rentrer, mais c'est quoi ce bordel? Comment ça? Ah, mais non, je suis bugué. Mais pourquoi je suis bugué? Les gens, je suis bugué. Au secours. Au secours, non. Bon, je redémarre la map. Ok, du coup, les gens, nous voici sur le bateau de One Piece. Donc du coup, regardez ça, franchement, non, il est trop stylé. Bon, malheureusement, l'intérieur n'est pas fait. Mais regardez, on a le bateau de One Piece et je trouve ça incroyable. Le Thousand Sunny, franchement, c'est incroyable. Alors attendez, je sais pas si sauter dans la flotte c'est une bonne idée ou non, mais on va essayer. Bon, je crois que ça va, on survit. Non, plus sérieusement, ça va, on survit. Non, franchement, l'eau en plus elle est stylée. Donc du coup, j'ai bien fait de rajouter l'eau, ça rajoute du réalisme. Non, c'est stylé, c'est stylé. Bon, alors attendez, parce que là on va aller voir le Goku là-bas. Donc alors, le Goku, je crois il a de la vie. Donc du coup, c'est pour ça, on va utiliser la flèche et on va voir quel stand je vais avoir. Maintenant, on va justement aller voir. Ok, 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 là on lui met des dégâts. Il est parti là-bas. Enfin bref les gens, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo, ça ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde.